Je suis accompagné de Igor Kouyanov, qui est un joueur russe de l'équipe russe, donc pour la Coupe du Monde. Bonjour Igor. Igor Kouyanov. Bonjour. Donc vous allez cette année être à la Coupe du Monde. C'est même vous qui accueillez la Coupe du Monde cette année. La Coupe du Monde chez nous. Là, Igor Kouyanov. Pas confondre le ballon. Moi, depuis tout petit, je joue le ballon. Igor. Alors, cette année, vous savez qu'il y a la France qui est favorite pour gagner cette coupe. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait gagner? Non, pas possible. Pas possible, France, gagner ici, chez nous. Ah, chez nous, si France met ballon dans filet, coupe la tête. Alors, vous savez que jamais où la Coupe du Monde a été. Un pays a accueilli la Coupe du Monde, pays n'a jamais gagné là. Est-ce que vous pensez que vous pourrez cette malédiction la faire arrêter? La faire couper? Igor, couper tête à 8 ans. 8 ans, facteur livré, pas bon colis. Le colis, Igor, pas content. Igor, couper la tête. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous fait peur? Igor, pas peur. Igor, jamais peur. Igor, tu es Père Noël. Pas content aussi. Sapin, pas beau, pas bien, cadeau. Oui. Igor, attention, l'équipe de France. Igor Kouyanov, coupez la tête. Vous voyez quoi comme un match pour la finale cette année? Ah, Igor, regarde match, bar, vodka, copain. Non, en équipe, je parle. Copain, vodka, toujours Igor, vodka. Sinon, Igor, pas content. Bon, bah, je crois que j'aurais pas mon pronostic, je vais essayer. Vous voyez quoi comme équipe? Quel pays contre quel pays pour la finale? Équipe du monde, c'est la coupe de Igor, donc l'équipe russe. J'y arriverai pas. Merci beaucoup, Igor Kouyanov. Kouyanov, c'est pareil. Ah. Et on embrasse évidemment nos amis russes. Monsieur Vladimir Poutine, tu vas boire vodka avec moi. Tu vas aller boire vodka. On ira pour elle. Là, on va boire. Et nous, évidemment, nous soutenons la France, allez bleu et allez la Russie. Voilà. Pourquoi pas Russie-France. Et la France va gagner, on y croit. Merci beaucoup. Kouyanov. Hein,